Je vous retrouve pour le numéro 3 de Terre Secrète. Vous avez vu derrière moi, regardez. Je suis à l'entrée du château. On va continuer ce numéro, hein. Comme je vous avais dit, il y a plein de parcelles autour ici, avant d'entrer dans ce château. J'espère qu'on pourra détecter à l'intérieur, en tout cas, comme je vous avais dit. On va continuer pour ce numéro 3, hein. De détecter à l'extérieur en tout cas, parce qu'il y a plein de jolis coins ici et j'espère vraiment faire de jolies trouvailles. Je vous dis à tout à l'heure pour la première trouvaille de ce numéro 3 de Terre Secrète. Regardez le paysage, c'est chouette là. On va y entrer, vous inquiétez pas. Voilà, ça sonne ici. On va dégager tout ça. On va creuser, j'ai amené mon piolet ici parce que la terre a l'air un peu plus dure, quoique je suis dans un chemin un petit peu plus souple. Bon, on va regarder ensemble dans tous les cas. Voilà, l'entrée du chemin de l'alu, c'est parti, c'est un tube de je sais pas quoi. Bon, voilà, un gros trou pour si peu. Je vous dis à tout de suite, hein. On va reboucher ce trou. Bon, j'ai un nouveau son ici, là. Zut, voilà. C'est pas super franc, hein, vous entendez? Je vais creuser malgré tout parce que je suis au bord de la route. Ça a l'air quand même un peu pollué ici, hein, je vous le dis. Hein. On va quand même regarder, ça a l'air assez profond. Oh là, c'est quoi ça? Oh yes! Bon les filles, c'est plus la peine d'aller chez Zalando. Je vous ai trouvé. Ah, une super paire de... Regardez. C'est pas chouette ça. Ah, je vais quand même regarder dans la chaussure, on sait jamais. Pourquoi ça sonne comme ça. C'est angoissant, pourrait y avoir une souris, une bestiole. On sait pas. Je vais regarder quand même malgré tout. Bizarre de trouver une godasse comme ça, bien enfouie, hein. C'est pas ça qui sonne, hein. C'est en dessous je pense. Ah, moins que c'est, vous savez, ce genre de truc en métal un peu dedans. Hein. Bon, une vieille chaussure, bien abîmée, on va la mettre. Ici, je vais la foutre à la poubelle, on va pas la laisser ici. On rebouche tout ça, je vous dis à la prochaine trouvaille. J'ai un son qui est intéressant là, on va creuser tout de suite. Bon, je suis pas très motivé dans ce coin-là, je crois que je vais même changer. Hein. Ça sonne beaucoup trop, je trouve. Et c'est très dur. Je suis toujours près de la route. Hein. Oh, oh, j'ai trouvé ce que c'est. Bon, c'est pollué. Putain, ça sonne dur ça, c'est pollué, c'est une plaque. Ouais, des inscriptions dessus, je sais pas ce que c'est. Regardez, je vous montre. Ça, truc en métal. Ah, c'était accroché avec un bout de bois, ça par contre. Vous voyez?
Ça vaut peut-être le coup de regarder ce que c'est, je sais pas. Ça peut être intéressant. On va la frotter. Essayer de lire quelque chose dessus. Il y a des inscriptions, ça a l'air d'être bien net. Hein, quand elle sera nettoyée, à mon avis. Voilà. Bon. Oh tiens, propriété de l'État. Concours numéro 1. Oh, vous avez vu ça? Je connais pas. Ardite. Propriété de l'État. Ah, qu'est-ce que l'État viendrait cacher ici? Ah, je sais pas. Si vous voyez. Propriété de l'État, je lis au-dessus, j'ai pas lu en dessous, je sais pas ce qu'il y a d'écrit. Voilà, concours numéro 1, mars 1918. Hein. Oh, on va la garder, je vais la garder quand même. Je vais quand même continuer ici, voilà, elle me redonne un peu de vigueur cette plaque. Je vous dis à tout de suite. J'ai quitté le coin qui était pollué. Hein. Parce que quand je vois cette plaque, franchement, ça me donne envie de refouiller dans ce vieux bordel là. On y retournera peut-être. En attendant, on va s'occuper de ce son. En souhaitant que. Oh, c'est super. C'est super dur ici. Oh. Ouais. Franchement, c'est même plus que dur. Hein. Ouais, vous savez quoi? On va poser ça, on va commencer à me connaître. On va faire un dessin. Quand même un super son là, c'est joli comme tout, je trouve ce son. C'est dans ma main. Oh, j'ai déjà eu ce truc là. Regardez, j'ai trouvé un autre couteau. Vous savez, dans le numéro 1, j'avais un couteau. Il a l'air en bois celui-là. Je suis même pas certain que c'est un couteau. Oh, il a l'air vraiment très joli. Oh, je suis content de faire des trouvailles comme ça. Franchement, c'est génial. Je vais le nettoyer. Je vais le nettoyer. Il a l'air en bois dessus. Il a l'air d'avoir encore ses éléments, le bois. C'est génial, je suis vraiment content. Quand je fais des découvertes comme ça, c'est vraiment extra. C'est génial. Je vois bien que c'est un joli couteau. Vous voyez, quand il va être nettoyé, c'est vraiment le pied, ça. J'adore faire ce genre de découverte. On le voit bien, vous voyez, les stries, là. On voit les stries, là-dedans. C'est cool, je suis content. Hein. Faut que ça continue comme ça. Je le mérite, il pleut. Je rebouche ce trou. C'est génial ici, franchement. Bon, je suis toujours dans le chemin, j'ai un nouveau son ici, là. On va regarder tout de suite. Ça cloche bien, ma foi, là. Je reste dans le chemin, là, je me plais bien ici. Je vais prendre ma pelle ou mon piolet, je crois que je vais faire prendre le piolet. C'est sec ici, vous voyez. De capsule. Bon, ça sonne bien malgré tout, hein, une capsule. Vous entendez? Ah, c'est un bouchon de. Bon, peu importe. Voilà. Ailleurs, bouchard, et on va ailleurs.
J'ai un nouveau son là. On va regarder tout de suite, ça a l'air large. Hein. J'espère que c'est pas un gros bout de métal, un gros bout d'alliage. Je suis toujours dans le chemin. Hein. Je continue là, ça me plaît bien par ici. Oula. C'est plus mou par là. On va regarder ces sorties. On va regarder ensemble. J'aime bien le chemin ici. Il est sympa, c'est cool. C'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans. Oh, j'ai trouvé, c'est quoi? Oh, c'est joli ça. Vous avez vu ça? Oh, regardez. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est beau, on dirait une décoration. Je suis toujours près de la route, hein. J'entends les voitures. Vous avez vu comme c'est beau ça? Je sais pas ce que c'est. Je regarderai, on regardera ensemble. On dirait un décor de portail. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, je vous le montre. On dirait un décor de portail, c'est beau, hein, c'est du laiton. Hein. Je sais pas ce que c'est. C'est un décor, hein, ça doit décorer quelque chose, mais quoi? Vous voyez, on approche du château, je pense. Hein. Il y a des choses bizarres qui traînent dans ces chemins. Je suis pas très loin du château. Le château doit être à... Allez, peut-être un kilomètre d'ici. Je suis pas très très loin. On nettoiera ça, on regardera, je ferai une recherche. On regardera en tout cas. C'est cool, je continue là. Allez, à tout de suite, à la prochaine cible, on va reboucher ce trou. J'ai un nouveau son ici, là. Ça cloche pas mal, hein. On va regarder tout de suite. On va pas attendre. Oh, c'est mou ici, c'est cool. Ça fait du bien. Oh, j'ai trouvé, c'est quoi? Oh, bah d'accord, qu'est-ce que ça fout là, ça? Ah, ça c'est pas cool, et j'ai vu ce que c'était. C'est pas cool comme découverte, je vais vous montrer. Ouais, là, ça sonne bien pourtant. Bon, je sais pas ce que ça fait là. C'est dégueulasse, c'est pas le genre de trouvaille que j'aime faire. C'est une batterie, vous voyez, ou une pile. Voilà, c'est dégueulasse. Hop, on l'enlève tout de suite, ça n'a rien à faire ici. On rebouche le trou. Et on va la mettre à sa place. C'est-à-dire à la poubelle. À tout à l'heure. Allez, on va s'occuper de cette cible. Oh, je pense que là, un coup de pelle ici, c'est pas mal. Ça n'a pas l'air. Oh, c'est dur. Bah, je vais prendre mon piolet, vous voyez. Plutôt. Il bouge, c'est pas possible. Je pense que c'est une taupe avec un bijou qui se promène.
Ça a l'air plus par là quand même. Allez, où te caches-tu? Non, j'ai trouvé. Ah, c'est une monnaie, c'est cool. Yes. Bon, c'est cool pour la dernière journée. Pour la dernière cible. Ah, j'ai mis un coup de piolet, zut. Bon, elle aura pris un coup de piolet dans la figure. Je suis content, c'est cool. Petite monnaie avant de s'en aller. Hein. On va la nettoyer. Ah, je connais pas ça, c'est quoi? Ah, je vous montre. Ah, elle est pas dégueulasse. Hein. Bon, j'ai mis un coup de piolet, vous voyez, ça c'est con. Voilà. C'est pas un avantage, vous voyez. Vous voyez le visage? C'est quoi comme monnaie ça? J'ai jamais vu là, ça. Ah, c'est une 10 francs. Je la nettoie un petit peu. Hein. Je vous fais patienter. Ah, oh, c'est une 10 francs. Ah, oh, c'est pas commun, celle-là. J'en ai jamais vu des comme ça. C'est la première que je trouve comme ça. Je sais pas si vous voyez ou si vous connaissez ce genre de monnaie. C'est une pièce de 10 francs. C'est une ancienne 10 francs. Hein. J'ai jamais vu. Vous voyez? Avec ce personnage, hein. Ben, c'est cool, c'est la première que je fais comme ça de 10 francs. C'est génial, celle-là. On va la nettoyer. Et on verra ce que c'est. C'est extra, franchement, c'est génial. C'est cool, juste avant de s'en aller. Petite monnaie. Ouais, c'est sympa. Bon, on regardera à quoi ça correspond à la fin de ce numéro 3. À tout à l'heure. On va reboucher ce trou. Je vous retrouve pour la fin de ce numéro 3 de Terre Secrète. La plaque. On va commencer par la plaque. Vous savez, je vais vous la montrer. Je l'ai nettoyée. Je vous ai expliqué un petit peu. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous voyez les inscriptions. Bon, vous la verrez de toute façon dans le générique. Hein. Pas vous inquiéter. C'était en fait, vous savez, pour les appliques murales, pour les combiner avec les appels magnétiques pour les vieux téléphones. Alors, j'ai pris un petit peu quelques notes, hein, parce que j'ai une petite mémoire. Voilà, en fait, c'était des téléphones qui étaient constitués de génératrices électromagnétiques. Vous savez, un petit peu comme les disques sur les détecteurs. Hein. C'est un petit peu électromagnétique, toutes ces histoires. Vous connaissez tout ça. Voilà, ouais, pas grand-chose à dire. Hein, 1911, de ce modèle, en tout cas, de ce modèle de téléphone. Alors, ils étaient jolis, franchement. Moi, je les ai regardés. Bon, c'est vrai qu'ils avaient leur technologie... d'époque, hein, évidemment, mais franchement, ils utilisaient de la matière noble hein, pour ces téléphones. Il y avait de l'acajou, du vernis, de l'ivoire, vous savez, pour les boutons, le bouton d'appel. Voilà, vous savez, c'était les téléphones où on tournait la manivelle. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est sympa, en tout cas, ils sont très jolis. Je vous ai fait une superbe photo. Pour la fin du générique, vous regarderez, c'est joli, vous verrez la plaque, c'est exactement la même propriété de l'État. Donc voilà, pour ce qui est de cette plaque, voilà, on va pas vous verrez. C'est vrai que maintenant, le design n'est plus du tout le même. C'est beaucoup moins gros, c'est tout petit, ça tient dans une toute petite poche. Bon, bref, on peut même le mettre au poignet, vous savez, les téléphones maintenant, hein, vous savez bien. Voilà pour cette plaque en tout cas. Bon, on va la mettre avec ses affaires. Hein. Bon, ça j'ai regardé, vous savez, c'est une décoration, hein, vous voyez. C'est joli hein, malgré tout, hein, je l'ai bien nettoyé. C'est lourd, c'est du plomb en fait, c'est super lourd. Hein. C'est pas du plomb, du bronze, pardon, du bronze, je me trompe. C'est du bronze en fait. C'est joli, bon, ça devait orner... C'était une décoration, hein, regardez les fleurs, hop, petites fleurs en haut là. Voilà, c'est joliment taillé, hein, c'est vraiment joli, hein, c'est du bronze, ouais, c'est lourd, hein, ça pèse lourd. Franchement, laissez des commentaires si vous voyez quelque chose. Ça m'intéresserait parce que j'ai regardé sur plein de choses, pour les vieux tiroirs, les poignées de tiroirs,
Bon, je trouve pas exactement le motif là. Je trouve pas ce motif là. Si vous le trouvez réellement, ça me ferait super plaisir que vous mettiez un petit commentaire en bas. Je vous le remonte. Voilà. Je le mettrai en photo également de toute façon. Donc voilà pour ceci. La pièce de 10 francs. La pièce de 10 francs. Alors ça c'est sympa. Alors 1984. Bon, c'est une pièce. Pas une vieille pièce. Hein. Bon, par contre, ce qui m'intéressait moi dessus, c'était le personnage. C'est François Rude. Voilà, François Rude. C'était un sculpteur français. Hein. Bon, il y a le musée Rude à Dijon, hein, quelques de ses expositions. C'est joli, hein, de ses œuvres, pardon. C'est joli, des bustes. Il a été célèbre avec justement une statue en bronze qu'il a faite. Une très jolie statue hein, qui représentait Mercure attachant ses talonnières, ses talons de chaussures, ses talonnières. Quoi. Une très jolie statue, je l'ai vue. Franchement, allez voir sur le site, hein, le musée de Rude. C'est super beau. Enfin, voilà, faut aimer après, bien sûr. Hein. Mais allez-y, jetez un petit coup d'œil. Voilà pour cette pièce. Le couteau, hein. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Voilà. Bon, c'est bien du bois, hein, je vous avais dit. Hein. C'est du bois ici. Hein. Voilà. Bon, il a bien vécu quand même. Hein. C'est ce qu'on appelle un couteau parapluie, en fait. Couteau parapluie. Pourquoi parapluie? En fait, le point commun, couteau parapluie, c'est l'Auvergne. Voilà, l'Auvergne, les parapluies étaient fabriqués dans le Cantal, à Aurillac. Et donc, à cette époque, pendant l'hiver, les paysans du Cézallier, sur le haut plateau du Cantal, hein, devenaient colporteurs jusqu'au retour des beaux jours, en fait. Et ils s'approvisionnaient en parapluies à Aurillac. Et ils reprenaient la route tout d'abord en direction de Thiers, où ils échangeaient une partie de leur couteau avec des parapluies et repartaient chez eux pour retravailler dans les champs. Sauf que certains décidaient de rester dans ces villes. Donc ils avaient des parapluies et des couteaux. Donc quand ils ouvraient un magasin dans ces lieux-là pour y vendre leur fourniture, il y avait des parapluies dans le magasin et des couteaux également. D'où le couteau parapluie. Elle est sympa cette histoire, je trouve. Donc voilà. C'est une histoire sympathique. Bon, bah, il va quand même aller rejoindre mes trouvailles. Hein. Voilà, je vais le garder. Hein. Il y a toute une histoire quand même, ce couteau. Hein. Bon, bon, les lames sont mortes, hein, vous voyez. Hein. C'est cassé. C'est vrai, c'était pourri. Hein. Rouillé, pourri. J'ai essayé de le nettoyer vraiment doucement. Il n'y a rien à faire hein, quand c'est comme ça. On ne peut plus. Donc voilà pour le couteau. Bon, ça, je ne l'ai pas nettoyé, franchement. La batterie. J'aime pas trop ce genre de trouvaille, franchement. Voilà. Vous savez, il y a 70% de piles et de batteries qui sont jetées à la poubelle ou à la nature, dans la nature. Donc c'est pas recyclé. Il faut y penser. Hein, voilà, je ne veux pas faire une morale à 100 000 balles. Hein, vous savez bien. Hein, de toute façon, vous qui détectez, vous le savez, hein, vous ramassez tout. Mais bon, ça fait pas plaisir de voir ce genre de choses. Ça contient quand même du lithium, du mercure. Il y a des métaux lourds là-dedans. C'est cancérigène également. Donc voilà, c'est pas très sympa de. Ça a été dans la nature, hein, vous avez bien vu, hein, c'est dans le sol. Hein. Donc forcément, c'est pas bon pour les animaux. Qu'est-ce que ça fait là, quoi, surtout hein. Je me vois mal, moi, je sais pas, jeter ça dans un bosquet, dans de l'herbe, il y a un truc qui cloche là quand même chez les gens, hein, franchement, je sais pas, hein, là c'est, voilà, faut vraiment vous alerter sur ce genre de choses, et aller au magasin, faut aller au magasin, ramener ces piles là au magasin, hein, c'est recyclé, pensez-y, c'est recyclé quand même, voilà, emmenez ce au magasin, c'est mieux, en plus vous ferez une bonne action. Mais quand vous en trouvez aussi, amenez-les au magasin, ne hein, les laissez pas sur place. Voilà pour la pile. Sa place, de toute façon, c'est dans le recyclage, évidemment. Voilà. On va continuer. On va continuer, hein, toujours dans ces coins-là. Ouais, vous avez vu, hein, c'est un petit peu. C'est un petit peu pollué. Mais franchement, ça me plaît bien parce que même si c'est pollué. On se rapproche toujours du château, hein. Comme je vous ai dit, on est à peine un kilomètre, hein. Donc c'est cool, il faut qu'on continue dans
dans cette direction en tout cas. Et je vais continuer vers ce château tranquillement. Et je pense que à la fin de l'autre prochain numéro, hein, du numéro 4 de Terre Secrète, je pense que je pourrai donner des nouvelles, je vous donnerai des nouvelles en tout cas du propriétaire des lieux pour savoir si on peut ensemble détecter à l'intérieur du parc, à l'intérieur du château. Voilà, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas, j'essaierai d'avancer les bons arguments comme je vous ai dit. Voilà, je vous dis à plus pour le numéro 4 et vive la détection. Salut. Thank you.